Good morning, allez, Daniel, tu seras aujourd'hui le Lunishmat Richard de Ben Fortune et Mazal, Claude Israël Ben Fortune et Mazal. Si vous souhaitez vous suivre d'une prochaine étude, bien contacter la communauté éternelle. Nous étions en Zeret Beitza, Peri Gimel, Mishne Gimel. Behema mesukenet lo ishchot, ela imken yashehut bayom, leechol mimena kazait tzali. Rabbi Akiva Omer, afilo kazait chai mibet tevirchata. Shchata basade, lo yeviena bemot uvamota, aval mevi beyado. Evarim, Evarim. On traduit directement Mishnah qui n'a pas vraiment de rapport avec les précédentes, c'est Behema Mesukenet, un animal qui est en danger, en risque de mourir. Le Ishrot, tu n'auras pas le droit de lui faire la Shrita que si Elaimken, que si Yasheut Bayom Lechol Mevina Kazait, que si tu auras le temps de manger d'elle jusqu'à la fin de Yom Tov un Kazait. Soit, on est en train de parler d'un animal qui était dans ton enclos. Tu avais l'intention de prévoir, de, si nécessaire, de lui faire la shrita, il n'y avait pas de problème, tu l'as désigné. Ce qui se passe, c'est que d'un coup, tu vois qu'il commence à faiblir. Peut-être qu'il va mourir aujourd'hui. S'il meurt, c'est une grosse perte, parce que vous ne pouvez pas manger la viande. Si jamais vous le faites la shrita alors qu'il est un peu mourant, c'est pas une trefa, c'est permis, vous avez le droit de le prendre, de le faire, et consommer la viande. Si médicalement, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. D'accord? Ça, c'est donc maintenant. Il constate que son taureau, il commence à tourner un peu de l'œil, il est bien fatigué, il va peut-être mourir. Il se dit, viens, je vais vite faire prendre un couteau et lui faire la shrita, comme ça on va le manger pendant Yom Tov. Alors si réellement tu dois le manger pendant Yom Tov, il n'y a aucun problème. Mais si tu réalises le problème dans l'après-midi, vers la fin de Yom Tov, tu n'auras pas le temps de le manger. Alors, la Mishnah commence à me dire tout d'abord, on va poser d'abord comme axiome évident, on va dire, si tu n'auras pas le temps d'en manger du tout, c'est sûr que tu vas pouvoir lui faire la shrita. Parce que tu ne peux faire la shrita que pour ce qui est nécessaire pour la fête. Ach asher yachel lechol nefesh ou levado yasalachem, la Torah nous a dit que ce qui concerne le repas, vous aurez le droit de le faire pendant Yom Tov. Et si il n'y a plus de repas parce que tu as déjà mangé, tu n'as plus faim, et il ne te reste pas le temps pour le manger, et bien tu vas falloir lui faire la shrita. Donc si je veux faire la shrita maintenant, il faut qu'il y ait la possibilité. Alors maintenant, il faut que ce soit consommable. Quel niveau de consommation? Tanakama me dit, il faut que tu sortes un bout de viande et que tu aies le temps de le faire griller et le manger. Griller, ça va plus vite que de faire cuire sur le feu. Que sur le feu en cocotte, ça peut prendre une heure. Quand on a la cocotte, à l'époque, je ne sais pas comment ça, combien d'heures ça prenait. Alors que si on met sur le feu, en 10 minutes, même pas, ça va déjà sortir. Donc la Michelle me dit, alors si tu as le temps de même d'arracher un petit bout de viande de au moins un kazaït, équivalent dans le volume d'une olive, de l'arracher de là-bas pour le mettre sur le feu et le consommer, donc tout cet animal, tu aurais dû faire la shrita pour pouvoir en tirer ce kazaït et le consommer. T'es dans l'après-midi, après ton repas, t'as plus tellement faim. Même si tu réussis à lui arracher un petit kazaït, le griller pour le manger, ça suffira. Ça, c'est la vie de Tanakama. Rabbi Akiva Omer, avec Eva, me dit non, encore moins que ça. Même manger un kazaït de viande fraîche, mi bet fichata, de l'endroit où tu l'as fait la shrita dans le cou. Le bet tvicha, l'endroit où on lui fait la tvicha, on lui fait la shrita. Soit, Rabbi Akiva me dit, écoute, viens, je vais te faire deux coulottes. Tout d'abord, de manière générale, dans un animal, pour pouvoir atteindre la chair, il faut d'abord le dépecer. C'est un lourd travail. À une exception, la viande qui se trouve dans la gorge. La viande qui se trouve à proximité de la gorge, j'imagine que la poêle doit être relativement plus faible, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est plus facile de retirer là-bas un bout de viande qui ne requerra pas beaucoup de travail. Et ça, c'est la première coulade. Donc, Rabbi Akiva, il te dit, ne va pas chercher à prendre forcément un bout de steak et te casser la tête à le retirer. Cherche l'endroit le plus simple où tu auras de la viande consommable, premièrement. Deuxièmement, en plus de ça, je te demande même pas d'aller la griller. La griller, ça prend 18 minutes. Sache que si tu veux manger de la viande fraîche, alors il n'y a pas non plus d'interdit de dame, parce que c'est la dame, le sang, c'est qu'il faut faire la mélicha, c'est que quand on veut le faire cuire, mais si on veut le manger cru tel quel, alors en général, il n'y a pas de problème de mélicha. Donc, Rabbi Akiva me dit, tu sais quoi, tu vas faire la shrita, parce que ton animal meurt et tu vas perdre une lourde perte, alors que tu pouvais donner à manger de la viande à toute ta famille pendant 2 semaines. Eh bien, tu as une solution, c'est de, tu lui fais la shrita, tu retires vite un bout de viande de la gorge, là-bas, de l'endroit où la viande, elle ne requiert pas de dépecer l'animal, ça va très rapidement, tu le retires, tu le laves sous l'eau, j'imagine, et tu peux déjà le manger cru, et si tu le manges cru, alors ça justifie ton droit à avoir fait la shrita de tout l'animal pendant Yom Tov, d'accord? Deuxième partie de la Mishnah, afil ou, et shrita besandé, tu l'as fait la shrita dans le sadé, parce qu'en fait, c'était pendant qu'il était sur la route en train de revenir à la maison. Il a constaté que l'animal est commencé à
à tourner de l'œil et à peut-être mourir, il en a eu peur. Du coup, il a fait la shrita en plein sadé. Bon, tu fais la shrita pendant Yom Tov, même si tu es dans un sadé, dans un champ, tu es loin de la ville, ben, tu as le droit de la consommer, bien évidemment, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est comment la transporter jusqu'ici. On a une solution super, c'est de prendre un grand bâton, de l'attacher avec deux hommes, ils vont la porter comme ça. Seulement, des gens qui portent un animal comme ça, c'est pas pour leur propre consommation. C'est sûr que c'est parce qu'ils vont partir au marché pour vendre de la viande. On ne veut pas à Shabbat que tu tournes comme si tu allais au marché. Donc c'est pour ça que la Mishnah me dit Shrata, Shrata be Basadeh. Si tu l'as fait la Shrita Basadeh quand elle était encore dans les champs, parce que la balle s'est avérée, mais soukenet, dangereuse, en train de tourner de l'œil, et tu vas ensuite la rapporter chez toi. L'oya vienna bamot ou bemota. Il ne pourra pas la transporter avec un mot. Avec un mot, c'est une barre sur l'épaule. Mota, on en reparlera après, il y a une petite difficulté à comprendre ce qu'il y a écrit. Mais en tout cas, donc le Michel me dit, tu ne pourras pas le transporter, tu vas appeler un copain, vous allez la transporter à deux comme ça, parce que vous avez l'air, vous avez une conduite trop profane, on dirait que vous êtes en route pour partir vendre au chouk. Mais quoi, alors quoi? Aval mevi beyado et vari mevri. Par contre, tu pourras transporter l'animal, et en le transportant chez toi, et vari mevri, membre par membre. Tu vas sur place, tu le dépaisses, tu retires un truc, tu prends le premier poumon et tu rentres chez toi. Après tu reviens, tu prends le deuxième poumon. Mais tu ne pourras pas prendre tout l'animal avec ton ami. Regardez qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est que, concrètement, c'est beaucoup plus fatigant de faire 5 fois l'aller-retour avec les mains encombrées plutôt que de prendre avec la barre, avec son copain. Et on fait ça en tic-tac, on prend notre mal en patience et on arrive beaucoup plus vite. Et la Mishnah, malgré tout, elle me dit non, je préfère que même, quitte à ce que tu te fatigues plus pendant Yom Tov, je préfère que tu n'aies pas une conduite profane. On complète à présent la Mishnah avec Lo yavenu bemot ou bemota. Il ne pourra pas transporter l'animal avec mot et mota, avoir cette conduite profane en transportant l'animal avec sur une barre à deux personnes comme ça, parce que tu as l'impression d'aller au marché pour aller vendre la viande. La Mishnah me dit tu ne la transporteras pas ni avec un mot, ni avec une mota. C'est quoi ce mot mota? Un mot, c'est quoi un mot? Un mot, c'est une barre. Maintenant, mota, alors c'est quoi? C'est la femelle de la barre? C'est pas clair. Alors, il y a sur ça deux interprétations, en fait. Le Rambam explique, en fait, qu'il y en a un que tu portes tout seul, je crois que c'est une personne qui porte avec un mot, deux personnes, c'est avec une mota, ça s'appelle une mota. Ouais. Il y a encore une autre interprétation, c'est le Melchet Shlomo qui explique au nom de Rashi, en fait, il dit, d'abord, il propose d'abord de dire, non, c'est mot et maté, pas mota. Il faut supprimer le vav dans le mot mota et changer la ponctuation en disant le mot maté. Soit une deux formes de barre, soit une barre en bois, soit une barre en fer, je ne sais pas. Bon, encore, on propose encore le Melechat Shlomo. Une autre interprétation, c'est de dire, j'ai oublié, une seconde. Ah, un, c'est, alors j'ai pas tellement compris exactement comment est-ce qu'ils le font. C'est qu'en fait, ils vont le porter à deux, mais il y a soit on attache franchement l'animal sur une barre, on le transporte, ça c'est mot. Et mota, ou ce mota, enfin je sais pas qui est qui. Et l'autre, c'est plus on attache les pieds, mais on porte directement les pieds, en fait, apparemment. Et on les porte dans la main, mais à deux, de manière donc, comme si on est en train de partir pour la vendre au chouk, conduite purement profane pendant Yom Tov, on veut pas que tu le fasses. Et c'est pour ça qu'on préfère que tu fasses 5 fois l'aller-retour, plutôt que vous mettez à la transporter de manière profane, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.